t'appelle. Ah. Ouais, je viens, bon. Excuse-moi, il faut pas du jus ici. Pour le décès de Daniel, je vais passer dans les rangs afin de faire une cotisation pour pouvoir aider sa famille. Qui se souvient de ce gâteau? Ah, putain! Chocopilau. Putain, tu vois? Le meurtre continue. La princesse est de Lidl. Écoutez, lui, c'est interdit. Maître Jean. Excuse me, nigga. What do you want? You mean yes? No, motherfucker. No, man. Montre-moi ce que tu fais. Et c'est ça votre vie, genre? Ouais. Montre-moi ce que tu fais. Eh, mais monsieur, je mets pas ça, ça peut le congolais. Putain, je te pèse ta mère, Congolais. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous pouvez pas faire piscine parce que vous avez tous les trois vos règles. Mais madame, c'est pas notre faute si on a nos règles. C'est une pathologie rare qui arrive à certains hommes en France. Et ça nous touche beaucoup parce que. Y'a quelqu'un d'autre ici qui a ses règles? J'aimerais porter plainte contre une femme qui m'a agressé sexuellement. Une femme qui vous a agressé sexuellement? Ouais. Je crois que j'ai un champion du monde, là. Eh, hey, Manu! Manu! Viens voir! Ouais. Salut, ça va? Hein? Ouais. Tiens. Ah, monsieur. Répétez à mon collègue. Une femme m'a agressé sexuellement et j'aimerais porter plainte. Oh, bah, on dirait que t'as gagné. Ah, bah, je crois, ouais. Bah, vas-y, racontez-moi, elle était comment? Elle était grande, 1m75, 78. Type suédoise, blonde. Les yeux clairs, vert je crois, avec une robe à fleurs et un grain de beauté juste ici au milieu du torse. Où ça le grain de beauté? Juste là. Ah ouais. Elle était plutôt bronzée, avec des lèvres pulpeuses. Oh, beau gosse. Dis donc, tu serais pas venu pour te vanter, toi, mon coquin. Non, pas du tout, je vous jure que c'est vrai, je vous jure. Hein? Bien sûr, bah, d'ailleurs, on te croit. Hein. Ah oui. On va aller l'arrêter. Ah, on va l'arrêter. On va l'arrêter. Ah oui, bien sûr. Parce qu'avec ce que tu nous as raconté, y a pas de raison qu'il y ait toi qui a le droit d'en profiter. Hein? Ouais. Allez, va chercher les menottes. J'ai compris. Ouais, d'accord, ok. Bah, attendez, on va. Sur le dossier, je mets quoi? Agression ou pécho? Merci mon coiffeur, merci. Je suis fier de toi. Et même on est tous surpris. Moi-même je suis surpris, mes entourages sont surpris, mes parents sont surpris, il y a certaines personnes même qui n'arrivent pas à me reconnaître. Merci. À partir de rien, on peut devenir beau, tant mieux. Et je voulais dire aux gens qui sont moches aussi, je suis désolé de me désolidariser de la mocheté. Voilà, je ne fais plus partie de votre groupe. Désormais, vous parlez à vous sur votre nom. Ne me mettez plus dedans. Merci. Je vous dis merci. Merci à mon coiffeur. Merci d'avoir accepté l'invitation. On voulait vraiment que vous fassiez connaissance avant le mariage. Oui, mon père tenait beaucoup à vous rencontrer. Ah, c'est normal. Elle est très belle, hein? Merci. Et votre fils, c'est... un garçon.
En tout cas, la famille, c'est très important. Moi, je garde tous les souvenirs de la famille. Voilà, c'est avec ma fille, bien sûr. Après, il y a mon bébé, il y a mon ex, il y a les cousins, les cousines, tout le monde. Et la famille, quoi. Et elle fait quoi dans la vie? Je suis esthéticienne. Ah. Elle a fait des études pour ça? Oui. Des études pour enlever les poils. Bravo! En tout cas, je veux quelqu'un de bien pour ma fille. Est-ce que tu es fidèle? Oui. Et est-ce que tu as déjà rêvé de sexualité avec une autre fille? Non, non, non. Et tu n'as jamais liké la photo d'une fille sur Instagram? Oui, mais liker, c'est pas tromper. Ah, liker, c'est pas tromper, hein? Votre fille, c'est un pervers du sexe. Je suis sûr qu'elle a déjà fait un film de cul. De cul? De cul. De quoi? Ah, le film avec les hommes et les femmes qui font des bisous, là. Ah, un film de cul. Ah, voilà! Il a trouvé un premier. C'est un pervers du sexe. Bon, on va parler quand même le mariage. Anna, j'ai fait ma liste à les inviter. C'est quoi cette liste? On dirait ma facture du Castorama. Tu vas pas inviter tout ça? Et ça encore, c'est que les cousins, c'est pas toute la famille. Je vous préviens, pour le repas, ce sera du cochon en entrée, du porc pour le plat et du jambon en dessert, bien sûr. Il mange pas de porc, papa. Oups, je vous savais pas. Ça en fera plus pour moi en plus. Hein. De toute façon, le repas, c'est pas important. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bonheur de la famille, de partager un moment ensemble et d'avoir le sourire. Eh, hey, Unteya, ma sinèche à faire le gay ou le fragile. Oula, radin khaptak dossier. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Kama dakhlek. Ma dakhlek du karaï. Kharaï renta. Bon, je vous préviens, pas de drapeau de l'Algérie au mariage. Hein? Yeah. Et pourquoi? Parce qu'au mariage, il n'y aura que des drapeaux des équipes qui ont gagné la Coupe d'Europe. Et l'Algérie, elle n'a jamais gagné la Coupe d'Europe parce qu'elle n'est pas en Europe. Ah, je les ai cassés là, karaï. C'est moi, je t'ai cassé. Ntsouma an comme le foot. Mais on a le pétrole, monsieur, en Algérie. Va démarrer une voiture avec un ballon et le hamar. Nous, on a Cristiano Ronaldo, madame. On a Bouteflika. Et ça fait longtemps qu'il est là et il va rester encore longtemps. C'est qui, lui? Il joue quel poste? Il joue le poste à le chef. Il est sur le banc, mais un autre, il se lève pas. Tal Bouel. Bouel Kel. Oui. Ah non, finalement, je crois que c'est une mauvaise idée. Je viens de penser à un truc, là. Rends-moi la bague. Elle m'a coûté cher. Attends, je me suis tapé son beau-père, ma mère. Attends. Bon les gars, vous allez bosser ensemble, vous êtes une nouvelle équipe. Eh ouais! Votre première mission, c'est de retrouver ce mec. C'est un meurtrier. Voilà à quoi il ressemble. Voilà, t'as pas été dur à trouver, toi! Passe-moi les notes. C'est quoi ça? Bah en fait, je me suis mis une grosse tôle hier, je suis encore bourré ce matin. Ah, les flics de merde! Il a dit quoi, lui? Des flics de quoi? Eh, tu fais moins le malin qu'un flingue sur la tempe, là! Les policiers ont arrêté le principal suspect d'un homicide. De l'agence France-Presse, qu'un homme a été arrêté. Cet homme, il a été interpellé en début d'après-midi. Bon, on va interroger le suspect. Good cop, bad cop, tu connais la technique, c'est bon? C'est quoi, bad cop? Ouais, je connais. Bon, ok, très bien, je fais le bad cop. Ok, c'est parti. Ok. Tu peux parler, t'es sûr? Tu sais comment ça se passait? On va être obligé de te taper sur la gueule, y'a pas d'autre solution. J'ai raison. On va te taper sur la gueule, mon pote. Tu sais ce qu'on va faire? Oh! On va te mettre des coups de boule! Tu nous connais pas, nous! On va te mettre des coups de boule, je sais pas d'où on vient! On va te mettre des coups de boule, mon pote! Mais t'es con ou quoi? Tu vois exprès, sérieux, Christian? Good cop, bad cop, bon flic, méchant flic, t'es censé faire bon flic. Ah d'accord. Mais j'avais pas compris. Eh mais en plus j'ai déjà vu ça dans un film. Bon t'as compris, si tu parles pas, on va te claquer la gueule, on va être obligé de te défoncer la gueule. Ah non. Si tu parles pas. Non. On a pas le droit de le taper. On va te déboîter. On va te déboîter. Non c'est pas moi de te taper, mon petit Willy. Vas-y, on a aucune preuve contre toi, c'est quoi, je t'en retiens. Vas-y mon petit Willy, on se rappelle, je te kiffe. Mais putain, mais t'es con. Mais quoi? Tu fais chier, reviens à toi. Eh, hey, faut savoir, tu me dis de jouer le coup de cop, moi je le fais à fond! S'il vous plaît, est-ce que je peux changer de coéquipier? Non. Mais il est là, chier! Tu sais que je t'entends ou pas? Oui, je sais que tu m'entends. Ok. S'il vous plaît. Non, je t'ai dit non, et allez bosser là, vous perdez du temps! En plus, c'est la raison, on est en train de perdre du temps, hein. Allez, on y retourne! Pas de chance pour toi, mon grand. On a retrouvé ton ADN sur la victime. Quoi? On a retrouvé son ADN sur la victime? Mais putain, mais c'est énorme! Mais attends, les collègues nous avaient même pas dit qu'ils allaient retrouver la victime tout à l'heure quand on l'a. Il a raison. On a retrouvé ton ADN sur la victime, alors vaut mieux que tu nous parles, mon pote. Putain, mais toi, t'es vraiment con. Mais pourquoi? Mais du bluff, tu sais ce que c'est que du bluff? Oui, mais c'était pas clair, tu vois, c'est ça. Mais attends, je viens d'avoir une putain d'idée. Tu vas arrêter de dire, je suis naché, putain, j'en viens. Bonjour, Willy. Je suis votre avocat. Dites-moi tout, secret professionnel, comment vous l'avez buté? Mais je te reconnais, t'es le flic qui me parle depuis tout à l'heure. Non, je suis pas flic, je suis avocat. Mais si, avec ta moustache de merde, là. Moustache de merde, ça? C'est ma vraie moustache. Dites-moi tout. Putain, mais je suis dégoûté, ça a pas marché, merde! En même temps, c'est un peu la pire idée que j'ai eu de ma vie. Non, mais ça a marché, je te jure. J'ai une autre idée. Oups, j'ai pas de culotte.
C'est bon, mec. Il a avoué. Sérieux? Eh ouais. T'es sérieux? C'est qui le meilleur? Eh ouais, mon pote. Bon, ça nous a pris 17 heures, mais il a enfin avoué. Ah bah voilà, bien joué, les gars. Tu vois que vous formez une bonne équipe, finalement. Bonne équipe, Surtout un putain de taré, quoi. D'ailleurs, il est où, lui? Toi, c'est avec le mec-là. C'est avec le mec-là que ma copine m'a trompé. Donc comment tu fais pour te débarrasser du corps, toi, du... Eh, tu fais quoi, mec? Rien, je fais rien. Bah, tu sais qu'il a avoué, c'est bon. Ah oui, je sais, non, mais oui, mais en fait, je demandais des trucs pour le rapport, tout ça, avoir des détails, enfin bref, voilà. Ouais, c'est ouais. Ça, viens là, toi. Ouais. On se rappelle. Big dreams, I want big dough. Clubbing all night, champagne popping, get it faded.